Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du guide Imperius. Alors, je sais, vous allez vous dire, mais pourtant, Malganir, tu as fait un guide Imperius il n'y a pas très longtemps. Et bien, en fait, il y a eu un rework. Blizzard n'a pas annoncé que c'était un rework, mais concrètement, il faut le dire. Imperius, et je peux vous avouer que ça me fatigue parce que je l'avais fait il n'y a pas très longtemps. Mais bien sûr, Imperius a reçu un rework. Hein. C'est vraiment un rework pour le coup. Il y a eu pas mal de changements sur ses talents, sur ses compétences de base. On lui a des anciens talents qui ont été mis notamment dans son kit de base avec par exemple les soins sur les fers de vaillance. Donc Imperius, pour rappeler un petit peu son rôle, c'est un bruiser, donc tout simplement à mi-chemin entre un main tank et à mi-chemin entre un assassin mêlé. Donc c'est, il peut faire un petit peu des deux. Très rarement on peut l'utiliser en main tank. Alors Imperius main tank, c'est vraiment, alors sa grande force en main tank, il n'en a pas beaucoup, mais ça va être tout simplement un tank très agressif et qui va initier sur tout simplement avec son A sur l'empalé. Mais globalement, éviter le Imperius main tank, c'est pas terrible. Sauf si vous avez une composition vraiment one shot qui veut partir vers l'avant très très agressive. Mais même comme ça, bah, y a d'autres tanks qui le font mieux, typiquement Diablo par exemple. Donc Imperius main tank, c'est pas forcément le feu, mais ça, c'est possible. Mais sinon, c'est un solo laner, donc ou ça peut jouer en triple mêlée, mais c'est tout simplement un briseur, donc vraiment quelqu'un qui est là pour apporter une seconde frontline ou une troisième frontline et infliger énormément de dégâts. Donc comme je le disais, solo laner, très souvent, eh bien, il va être en situation de 1v1. Je vous laisse aller voir la vidéo de From Zero to Hero sur la solo lane hein, pour plus de précision. Mais du coup, Imperius, sa grande force, c'est un énorme dueliste, excellent dueliste. Il a peu de mobilité, par contre, comme vous le voyez, il a peu de sorts vraiment de déplacement, etc. Donc un petit, il ressemble là-dessus un peu à Artanis, même s'il a des mécaniques différentes. Le style ressemble beaucoup à Artanis, c'est-à-dire très très costaud, capable de faire pas mal de dégâts. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il est dedans, il a du mal à pouvoir ressortir. Donc une fois que t'es engagé dans le teamfight, très compliqué de repartir avec un Imperius. Fer de vaillance, on va commencer par présenter son passif. Chaque capacité de base marque le héros adverse touché pour 10 secondes. Les attaques de base consomment les marques présentes sur la cible permettant de lui infliger 20% de dégâts supplémentaires par marque consommée, en plus de rendre 153 points de vie à Imperius par marque consommée. Alors, dit comme ça, ça a l'air compliqué, c'est tout simplement un enchaînement personnalisé d'Imperius. La différence, c'est que c'est un enchaînement cumulable, un petit peu à l'image de l'enchaînement de Diablo. Mais le truc, c'est que ça ne... Alors, vous allez voir, si je lance un sort, par exemple le Z, vous voyez, il y a une marque qui se met ici. Vous avez des marques sur les côtés qui indiquent quel sort à toucher. Si je mets « touche » avec mon E, c'est la troisième marque qui va se mettre. Mais vous voyez, si je mets le Z... ça va être seulement la deuxième marque. La troisième marque n'est pas consommée. Et c'est cumulable. Donc bien sûr, l'auto-attaque la frappe plus mal que celle-ci, puisque celle-ci, j'avais deux marques. Donc le principe, c'est tout simplement de faire un combo sur Imperius. Donc le combo, on va pouvoir le présenter rapidement. Je vous ai déjà montré un petit peu ses compétences, mais on va les préciser. Donc pour commencer, son sort principal, enfin son sort d'engage, comme je vous l'ai montré, c'est la charge céleste. 10 secondes de temps de recharge, 40 de mana. Alors attention, Imperius est quand même un petit peu manavore, je trouve, comme personnage. C'est pas non plus Tyrael, mais c'est quand même assez manavore pour un briseur. Donc il fonce dans la direction, comme vous le voyez. Alors je vous invite à plutôt jouer en semi-smartcast qu'en smartcast, parce que cette habilité est un peu particulière. C'est-à-dire qu'il y a une portée de dash que vous voyez avec la hampe de la lance, et vous avez la pointe de la lance qui indique en fait là où ça va stun. C'est-à-dire que par exemple, si je mets mon empalé ici, eh bien le premier ne sera pas touché par l'empalé. Vous voyez, le premier n'est pas touché par l'empalement, alors que les autres, oui. Donc ça, c'est important. L'empalé fonctionne sur n'importe quelle personne, enfin tous ceux qui sont présents. Donc il peut y en avoir 3 comme 4, hein. Là vous voyez, je vais toucher les 3. Voilà, les 3 sont empalés et comme vous l'avez vu, ça redirige, ça réoriente un petit peu les héros. Ils ont l'air d'être pas tout à fait au même endroit. Et bien avec l'empalé, ça va les remettre, ça va les aligner. Donc ça peut déplacer, attention à ça, ça peut déplacer pour les skill shots et autres, ça peut déplacer un petit peu le personnage. Lightbox est quand même relativement fine. Alors c'est un peu bizarre parce que Lightbox est large tout en étant très fine. Comme vous le voyez, le dash est pas très grand. Comme le dash est pas très grand, par contre la portée globale est assez grande du sort. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu étroit et au final il est un petit peu plus large sur le bout de la lance. Par contre, sur le début de la lance, c'est vrai qu'il est beaucoup plus étroit. Donc c'est une hitbox très particulière hein, pour l'empalement d'Imperius. Mais l'intérêt bien sûr, c'est que c'est un stun qui dure quand même très longtemps. Hein. Une seconde de stun sur une compétence de base, c'est beaucoup. Il y a très longtemps des changements sur les stuns pour que ça dure moins longtemps. Et une seconde de stun, c'est quand même très très long. Le problème, c'est que c'est une canalisation de stun. C'est quasiment unique à Imperius. Je crois pas avoir un autre exemple en tête. Ah bah si, il y a le pogo, mais c'est pas pareil.
Enfin, si, c'est pareil. Mais bon, du coup, Imperius, pendant qu'il stun, en fait, bah, il ne peut pas bouger. Vous voyez, il est bloqué. Il est bloqué sur son stun. L'animation, le stun. Donc, il faut faire attention parce que potentiellement, votre stun peut ne pas durer une seconde. Si vous êtes par exemple bump par un ETC, eh bien, vous cancel l'animation et du coup, le stun va s'arrêter. Donc, ça, c'est important. Le dash également. Peut-être bloqué, alors peut-être esquivé, mais surtout il peut être bloqué pendant les airs. Et si jamais vous êtes bloqué dans les airs, c'est pas comme Blaze. Blaze, si on cancel le lancement du Q, eh bien Blaze récupère le E. Par contre, une fois qu'il est lancé, là, il est totalement annulé. Imperius, par contre, même si on vous annule au tout début du lancement, c'est annulé. Donc ça, faut faire très attention à ça. ETC peut être une plaie, par exemple, pour Imperius. On a ensuite Flamme de Sorlaion, qui est le sort de base d'Imperius. 8 secondes de temps de recharge, donc c'est le sort qui a le moins de temps de recharge sur Imperius, puisque la Radiance a 12 secondes. Ça déchaîne donc, comme vous le voyez, il y a double G en fait, puisque vous allez lancer un Z et en fait, le Z, il y a une portée large et une portée centrale, un petit peu comme le Q-spell d'Auriel. Le principe, c'est que, un petit peu comme Auriel, en fait, les dégâts vont être supplémentaires dans la petite zone étroite, dans la zone précise. Donc, déchaîne une vague de flamme qui inflige 219 points de dégâts. Les ennemis touchés par la zone centrale subissent 50% de dégâts supplémentaires et sont ralentis de 40%. Donc, c'est le sort de contrôle d'Imperius et notamment, par exemple, comme vous l'avez vu dans le combo, ça va être ralenti l'ennemi pour pouvoir mieux l'empaler puisqu'il pourra moins facilement esquiver la charge céleste tout simplement. Donc la radiance, qu'est-ce que c'est? C'est le sort défensif d'Imperius puisque le E va vous permettre en fait tout simplement eh bien, de mettre une espèce de rage ardente personnalisée d'Imperius. Alors attention, ce n'est pas une rage ardente comme les autres, c'est une rage ardente qui touche tout, hein, c'est PvE comme PvP. Le principe c'est que ça va vous faire des dégâts qui vont être... Alors attention, c'est en fonction des dégâts infligés. Donc plus vous faites mal, plus vous allez vous soigner. Donc c'est le deuxième sort de soin, puisque maintenant bah, c'est dans le kit de base, Imperius a de la sustain. Mais le principe c'est que donc toutes les 0,25 secondes, votre E va toucher quelqu'un, mais ça va pas toucher tout le monde, pas comme une rage ardente. Donc ça va toucher un mec, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre. Alors bien sûr, je crois que ça priorise les héros malgré tout, il me semble. Regarde, mon temps de prendre 50% des dégâts infligés, ce montant étant porté à 100%. Donc voilà, 50% des dégâts infligés en PvE, et par contre en PvP, c'est 100% des dégâts convertis en soins. Il me semble que ça converte. Par contre, c'est pas marqué dans l'info pub, mais je crois que ça touche en partant. Ah non, ça touche aussi les sbires, j'ai rien dit. Donc évitez si possible de toucher, évitez de battre dans les sbires avec le E, puisque bah, potentiellement, ça veut dire que les sbires absorbent. Je savais plus si c'était de l'info bulle se tromper, non, elle ne se trompe pas là-dessus. Alors le principe du E, c'est que vous pouvez vous soigner, alors évidemment en 1v1 avec Arthas, mais le principe, donc cumulé avec vos marques de vaillance, avec vos fers de vaillance, bah, ça vous fait une petite sustain relativement bonne. Hein. Mais après, par exemple, si vous avez tué Arthas, bah, ça peut vous permettre de dépush tout en récupérant un petit peu de soin. Mais bon, le E, c'est surtout contre le héros hein, qu'il faut l'utiliser. Et le principe, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser votre E pendant votre charge céleste. Donc ça, c'est très intéressant. Votre combo, très souvent, va être Z, Q, et on appuie sur le E pendant la canalisation. Comme ça, vous faites des dégâts, vous vous soignez. Et ce qui est très intéressant avec le E, c'est contrairement au Z et au A, qui a un seul effet à l'activation, le va mettre une charge et va remettre une charge juste après en fait. Donc potentiellement vous allez pouvoir faire proc l'affaire de vaillance au moins 3-4 fois. Et ça c'est super intéressant pour plus de dégâts aussi. Donc ça c'est vraiment votre matière de dueliste. Donc un combo classique comme je l'ai dit, ça va être hop, vous faites ça et vous allez exploser le mec. Après des fois faudra pas forcément faire ce combo là hein, les ennemis peuvent l'anticiper. Alors petit rappel quand même, par contre la charge céleste peut être un outil défensif même si ça ne l'est pas trop. Les petits murs vous pouvez les passer. Vous voyez, vous pouvez passer les petits murs, très important à garder à l'esprit avec Imperius, notamment sur une map comme BOE, Champ de l'Éternité, où il y a plein de petits murs, il faut y penser. Mais un gros mur, vous allez voir, je ne peux pas le traverser. Ah bah. Bon, celui-là est très gros, mais normalement je suis pas censé pouvoir là. Vous voyez, là je peux pas le traverser par exemple. Là il est vraiment trop gros pour le coup. Alors je sais qu'ici il y a des petites exceptions, je crois que là je peux pas le faire. Voilà, là je peux pas le faire. Et là par exemple, je peux le faire parce qu'il est un peu plus étroit. Donc vous pouvez sauter des murs mais attention quand même, c'est relativement difficile. Lui par exemple je peux le faire largement mais il me semble, bah, ce mur là je crois que c'est le même. Voilà, là par exemple je peux pas, donc faut faire très attention à ça quand même. C'est comme un peu comme Liming, les murs fins ça passe, les murs trop larges ça ne passe pas. Donc voilà pour les compétences de base d'Imperius. On va pouvoir attaquer les talents maintenant avec bah, deux talents très très forts au niveau 1. On va commencer par le haut bûcher qui est juste le talent générique d'Imperius. Consommer une marque de fer de vaillance inflige un supplément de dégâts égal à 2,5% du maximum de points de vie. Ce talent est juste complètement
abusé, mais complètement broken. Hein. Sur le papier, c'est complètement broken. Je veux dire, 2,5% du maximum de PV, c'est des talents 16 pour certains personnages distance. Hein. C'est, voire même 2,5, c'est 1,5% généralement. Donc 2,5% sur un talent niveau 1, c'est n'importe quoi. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Après, bien sûr, c'est un corps à corps, mais imaginez que sur un combo, c'est 2,5% par marque. Donc 2,5% sur un total combo, vous montez à 7,5% PV en un combo niveau 1. C'est insane, sachant que le E va remettre des charges. Donc la première, vous allez mettre 2,5, et vous avez le temps d'en mettre un troisième. Donc potentiellement, vous pouvez monter à 3 utilisations. Donc sur un seul combo, 7,5, et potentiellement une à deux auto-attaques supplémentaires qui vont faire proc avec le E. C'est insane, plus de 10% du maximum de PV. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Le problème, il y a quand même un bémol sur ce talent. Il y a quand même un bémol. Alors en plus, c'est les dégâts en pourcentage PV sont bonus du fer de vaillance. Si ça remplaçait les dégâts du fer de vaillance, ça serait peut-être un peu moins OP. Mais non, c'est additionnel aux dégâts du fer de vaillance. Donc le burst est scandaleux. Mais par contre, il y a bien sûr un bémol, c'est que c'est du corps à corps. Donc si vous pouvez pas, par exemple, vous avez poke le mec de loin, si vous pouvez pas remettre l'auto-attaque, ça sert à rien. Mais honnêtement, ça c'est un tout petit point noir, parce que sinon le bûcher est juste trop fort. Et ça veut dire qu'il faut juste avec Imperius prendre votre mal en patience, avoir du sang-froid, vous lancer dans la mêlée quand vous pouvez le faire. Et quand vous allez vous lancer dans la mêlée, avec ce niveau 1, ça va cartoucher sévère. Hein. Et pour vos niveaux 1, c'est monstrueux. Notamment en lane. Hein. Un V1 pur, il est très très fort Imperius pour ce genre de choses. Un autre talent que j'adore, qui a beaucoup changé depuis la sortie. Avant c'était une quête, elle a été renforcée et ce n'est plus une quête, elle a été mise de base. Donc l'ardeur augmente les dégâts de la zone centrale de flamme de Solarion de 100% supplémentaires. Donc c'est quand même énorme, hein, ça monte à 150% de dégâts supplémentaires. Et son ralentissement de 15%. Le slow de base est de 40, hein. Ça monte du coup à 55% de slow, ce qui est énorme. Hein. 55% de slow, c'est plus que le niveau 20 de Jaina. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors en plus, c'est pendant 3 secondes. Le premier héros adverse touché par Flamme de Solarion rend 30 points de mana. Donc de la sustain mana et des dégâts supplémentaires de loin, sachant que ça peut toucher plusieurs cibles. Sachant que ça peut toucher forcément plusieurs cibles. Donc c'est plus d'utilitaire, plus de dépêche aussi, puisque la zone centrale c'est pas que en PVP, donc plus de dépêche. Et également de la sustain en 1v1 avec de la sustain mana, sachant que je l'ai dit, Imperius c'est quand même un peu manavore. C'est quand même intéressant. Alors pourquoi jouer Harder? Par exemple, si vous regardez les Gold Series en ce moment, le seul championnat professionnel d'Heroes of the Storm, donc avec les Chinois et les Coréens, eh bien beaucoup de joueurs jouent Harder. Alors on voit quand même du haut bûcher, mais beaucoup jouent Harder. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le haut bûcher reste meilleur, c'est vrai. Mais l'Harder, disons qu'à un niveau très 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 haut, si vous êtes, par exemple, si vous avez un match-up perdant avec Imperius, ou si vous avez des difficultés, si vous savez que vous allez vous faire gank et autres, pour jouer plus safe, l'ardeur vous donne des dégâts à distance, ce dont Imperius est dépourvu, hein, son A et son E c'est que du corps à corps, donc l'ardeur vous permet de faire des meilleurs dégâts à distance, améliorer votre push, et du coup forcément à niveau professionnel c'est encore plus, c'est plus fort. Mais malgré tout, l'ardeur est une pole position, je dirais deuxième position tout simplement dans l'échelle des talents. J'adore l'ardeur, mais le bûcher est très très fort. Ensuite on a l'illumination, que je trouve vraiment moyen par rapport aux deux autres. L'illumination, donc les dégâts finaux qu'inflige charge céleste sont augmentés de 50%. Alors ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais la charge céleste fait deux fois des dégâts, la première ici et la deuxième à la sortie. Le problème c'est que vous ne pouvez pas consommer la marque, parce que sur le papier ça pourrait mettre deux marques, mais en fait non, parce que la première marque commence avec la première charge, mais vous voyez, si la charge est canalisée jusqu'au bout, il y a deux fois les dégâts. Vous voyez le petit 77, puis 153. Voilà, donc ça c'est en deux temps, en fait, c'est en deux temps. Eh bien ça augmente les dégâts de 50% de la charge finale, donc ça sous-entend que vous n'êtes pas fait annuler la charge et autres, sachant que ça réduit de 1 seconde par marque de fer de vaillance présente sur la cible quand l'étourdissement atteint son terme. Donc c'est tout simplement pour favoriser les combos. Si vous faites ça, eh bien à la fin vous réduisez de 3 secondes le temps de recharge, sachant que ça c'est que sur un héros. Si vous avez fait sur plusieurs héros, potentiellement la charge revient plus vite. Donc c'est pas dégueu, en soi c'est pas dégueu, mais nul ne sera épargné. En fait, pourquoi jouer ça? Ce serait pour moi en main tank, c'est jouable. Si vous voulez jouer en main tank, c'est que vous voulez empaler énormément. Donc en main tank, je pense que ce niveau 1 est pas mal. Après attention, c'est pas dire qu'en main tank vous pouvez pas jouer les deux autres, hein, parce que ça c'est aussi plus de slow. Et ça, vous fracassez tout le monde, hein. Ça va bien dans la compo d'un Imperius main tank. Donc pourquoi pas en main tank? En solo, j'ai vraiment du mal à le considérer. Donc au bûcher, au niveau 4, alors des très très bons talents, c'est un palier défensif pour Imperius.
On a tout d'abord le talent, je dirais, générique, ça va être l'armure souveraine. C'est tout simplement l'ancien niveau 16 qui a été mis au niveau 4, donc ça confère 25 points d'armure pendant 1,5 secondes. Infliger des dégâts à un héros adverse avec radiance prolonge la durée de l'armure de 0,5 secondes. En gros, vous appuyez sur E, ça vous donne 25 d'armure, et comme vous le voyez, l'armure se reset le temps que le E touche. Donc si vous ne touchez personne, j'aime beaucoup cet équilibrage de sort parce que si vous ne touchez personne, l'armure dure pas longtemps. Si par contre vous êtes en teamfight, l'armure dure très longtemps. C'est le genre d'équilibrage qu'on avait eu sur... C'est le genre d'équilibrage qu'on avait eu tout simplement sur, sur les blinks, donc sur les flashs au niveau 20, sur la plupart des persos avec un flash offensif, un flash défensif, pour favoriser, on va dire, les Imperius qui prennent plus de risques. Et j'aime bien l'idée, mais n'oubliez pas du coup que le E, vous pouvez vous servir de, pour tanker par exemple un sort à très longue distance, imaginons une pyro de Keltas ou autre, bah ça peut vous sauver la vie, pensez-y. Niveau 4, donc il y a d'autres talents. Le conflit salvateur qui augmente les points de vie rendus par fer de vaillance de 50%. Si par exemple vous avez peut-être un peu moins besoin d'armure et beaucoup plus de sustain, et ça augmente les points de vie de rendus de 50%. Donc ça, c'est tout simplement l'ancien niveau 4 qui avait été un petit peu incorporé de base. Ça fait que vous avez vraiment l'ancien niveau 4 pour le coup, puisque vous augmentez la sustain de 50%, donc c'est loin d'être ridicule. Et enfin, la percée, infliger des dégâts à héros adverses fixe la durée d'un globe de régénération actif sur Imperius à 8 secondes, sauf si cette durée est supérieure. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça veut dire que quand vous avez ramassé un globe de régénération, si vous infligez des dégâts à un héros, que ce soit en auto-attaque, avec un ultime, avec des sorts, avec n'importe quoi, eh bien vous allez récupérer, enfin vous allez prolonger la durée du globe. Et ça c'est très très fort parce que ça augmente la régénération PV, mais mana aussi. Donc ça c'est vraiment en pur 1v1, potentiellement avec un match-up perdant par exemple pour Imperius. Alors attention, parce que qui dit match-up perdant dit que votre accès au globe va être restreint. Mais si vous arrivez à prendre un globe, eh bien vous pouvez DPS, rester dans la mêlée on va dire pour DPS un peu, ça va prolonger votre régène, ça peut en surprendre plus d'un. Donc la percée c'est pas mal en lane ou sur des petites maps où les globes sont très faciles d'obtention, je pense par exemple à du Spider Queen ou du Volskaya, où les globes vont être souvent présents, ou du Sanctuaire Inferno. Mais dans l'ensemble, l'armure c'est vraiment une valeur sûre et le conflit salvateur est vraiment pas mal aussi. Niveau 7, alors là on a un talent qui surclasse tous les autres, c'est la Sainte Ferveur. Donc un activable, 30 secondes de temps de recharge, c'est des... Alors ça, ça a changé aussi dans l'utilisation. Avant, c'était fixe sur les 4 premières autos. Maintenant, dès que vous avez lancé, le temps de recharge commence. Activez... Alors, donc si vous l'activez, ça remplace les 4 prochaines attaques de base portées dans les 10 secondes par des attaques en arc de cercle, donc des attaques de zone, qui infligent 30% de dégâts supplémentaires. Donc... Même en 1v1, c'est très fort et ça vous augmente votre puissance de dépush. Skimperius, même si c'est un soliner, il a quand même un gros problème pour push. Hein. Regardez, j'appuie sur Z, waouh, c'est pas terrible, hein. Ça fait pas des dégâts insane. Donc son gros problème à Imperius, c'est le dépush. Et avec ce sort, eh bien, il fait beaucoup plus mal. Donc on va attendre la vague de sbire. Mais vous voyez, je l'active là par exemple. Vous voyez, je l'active, boum, je commence. Je peux dépush et mes auto-attaques font très très mal. Et évidemment, c'est cumulable avec les marques de vaillance, hein, bien entendu. Donc ça, c'est très très fort. Donc. Voilà un sort qui est vraiment très bon. Imperius, ça peut lui permettre, ce talent 7 peut lui permettre de double soak. Et ça, c'est très très bon. Alors attention, le CD, comment j'ai dit qu'il commence dès le lancement, il commence dès le lancement de la première auto-attaque, buff. Donc c'est un petit peu moins qu'un véritable CD effectif, mais c'est déjà mieux qu'avant, je trouve. Les autres niveaux 7, parce que j'allais oublier, on a la pointe de colère qui a été bien up et qui est vraiment pas mal. Pourquoi pas aussi en main tank, mais même en solo, mais c'est, on va dire, un peu situationnel, mais... Consommer une marque de charge céleste, donc si vous avez lancé votre A, les marques, vous voyez, de charge, c'est la première, et eh bien, ça inflige 395 points de dégâts autour de la cible et confère un bouclier de 658. Donc je vais vous montrer, hop, on va prendre ça. Donc ça va infliger des dégâts de zone à la sortie. Boum. Alors, j'ai raté un truc, consommer une... Ah oui, non, je ne l'ai pas consommé, c'est pour ça. Voilà, là je l'ai consommé. Donc ça fait des dégâts supplémentaires à la première cible et aux autres. Et le principe, c'est puisqu'avant, il fallait pas la consommer, c'est ça le truc. Avant, il n'y a pas besoin de la consommer, c'était des dégâts directs. Mais maintenant, vous la consommez, ça fait des dégâts de zone, et ça vous confère un bouclier qui est loin d'être ridicule quand même, hein, comme vous le voyez, sachant que si vous pouvez le faire, vous pouvez la faire proc potentiellement deux fois. Vous voyez, le shield est quand même intéressant, donc c'est un peu plus défensif, je dirais. Pourquoi pas en main tank ou en solo lane quand vous avez déjà une compo qui peut très très bien dépush. Et à ce moment-là, plus pour avoir un peu plus d'apport défensif. Mais c'est pas si ouf que... Enfin, ça reste tout à fait jouable. Hein. Enfin, le rayon de gloire, talent que je trouve vraiment... Je comprends pas pourquoi... Enfin, franchement, ce talent est facile à équilibrer. Et Blizzard n'y arrive pas avec ce talent. Donc la flamme de Solarion qui laisse une traînée incandescente en son centre, cette zone explose après 2 secondes, 2 secondes c'est immense dans un teamfight, et inflige 274 points de dégâts, l'explosion bénéficie de fer de vaillance et en consomme les marques. Alors ça c'est un bon point par contre, mais c'est vraiment très très long, je vais vous montrer le rayon de gloire, donc en gros vous mettez votre Z et vous voyez 2 secondes après ça pète. Ça pète. Alors le truc intéressant par contre maintenant, c'est que ça consomme les marques de vaillance. Donc ça c'est fort parce que ça rajoute des bons dégâts.
Mais quand même, 2 secondes avant de péter, sur le papier ça a l'air incroyable, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Vous allez voir, le dépush est pas dingue. On est niveau 20 là, hein. Niveau 20. Bébé, le Z tue même pas un mage. Le deuxième Z tue même pas un mage sbire. Un mage sbire. Le truc qui one shot en fin de match. Hein. Je suis niveau 20 là, hein. Les sbires ils sont censés être nuls. Hein. Donc le dépush est vraiment pas terrible. Et donc on pourrait dire, bon bah oui, mais en PVP c'est bien parce que après l'explosion ça valide la marque, etc. Mais si l'ennemi ne bouge pas pendant 2 secondes, enfin, c'est pas, enfin, le sort, mais 3 heures. Là, le bot, ok, il reste dedans. Et même le bot, j'allais dire, même le bot, il va l'esquiver. Bah bon, là, il est un peu con quand même, mais genre 2 secondes. Vous vous rendez compte de la durée? C'est trop long. C'est trop long, ce truc. Et vous voyez, bah, même le bot, et en plus, l'hitbox est très fine. Et là, vous l'avez vu, le bot, il l'a esquivé. C'est trop long. Et si l'ennemi ne bouge pas, posez-vous cette question-là, parce que vous allez vous dire, oui, mais moi, par exemple, je joue peut-être à Baello, du coup, bah, c'est bien, les mecs bougent pas, c'est facile. Et posez-vous une autre question, s'ils bougent pas, pensez pas qu'une attaque de zone qui fait marque, qui fait proc toutes les marques, c'est pas trop fort? Bah, si. si, c'est meilleur. Et puis, si le mec bouge pas, bah, vous pouvez faire proc ça aussi plus facilement. Donc non, cherchez pas ce talent, c'est vraiment de la merde pour le coup. C'est vraiment vraiment de la grosse merde. Alors avant c'était vraiment vraiment de la chiasse, maintenant c'est vraiment pas terrible. Du coup, surtout quand on voit la concurrence. Les niveaux 10, alors ça c'est très très fort. Franchement Imperius a des super ultimes, très très cool en termes de design en plus. On va commencer par le générique, l'arsenal angélique. 70 secondes de temps de recharge, donc c'est assez court pour un ultime. Ça invoque un cercle d'épée de feu qui confère 2193 points de bouclier, on est niveau 20. C'est énorme, hein, 2193, vous vous rendez compte, c'est quasiment la moitié de ses PV. Hein. Donc c'est très très fort pendant 3 secondes. Si le bouclier persiste jusqu'à son expiration, donc au bout des 3 secondes, la capacité peut être réactivée dans les 5 secondes pour lancer 6 épées. Alors, dit comme ça, ça a l'air compliqué. Vous claquez l'ult, vous voyez, ça vous fait un shield énorme. Et au bout de 3 secondes, vous pouvez le réutiliser pour faire un peu les missiles de Liming. Alors attention, si vous ne l'utilisez pas, ça va disparaître. Là, vous l'entendez, hop, ça disparaît. Mais le principe, c'est tout simplement les missiles de Liming. Donc, vous avez, alors je l'ai mis en je le mets pas en smart cast justement, et ça vous permet de faire des dégâts insane, hein. Niveau 20, quasiment 2000 de dégâts, hein. C'est vraiment très très fort pour le coup. Donc c'est à la fois offensif, enfin c'est à la fois défensif et offensif, mais même dans les teamfights, quand vous êtes au milieu de tout ça, vous avez un shield de dingue. Honnêtement, c'est bête, mais c'est ce qui pourrait manquer à Artanis, hein, un ultime. Hein. C'est bête, mais Artanis, c'est ce qui lui manque, hein, pour être aussi fort qu'Imperius. Hein. C'est des ultimes. Hein. Enfin, du coup, niveau 13, enfin l'autre niveau 10, pardon, la fureur des Anguirris. Donc on va reprendre le build générique. Donc l'arsenal angélique, très très fort. Fureur des Anguirris, 80 secondes CD, donc 10 de plus que l'arsenal angélique. C'est un petit peu dur, puisque c'est une canalisation. Donc après 0,75 secondes, qui est assez long comme canalisation, ça charge dans la direction ciblée et emporte le premier héros adverse touché dans les cieux. Alors c'est... Votre canalisation est annulable. Par contre, une fois que vous avez commencé l'animation, vous êtes insensible. Ça, c'est fort. Imperius peut choisir l'endroit où il retombe. Mais bon, par contre, vous pouvez vous faire annuler avant de le lancer. Imperius peut choisir l'endroit où il retombe en déplaçant la souris. Après 2 secondes, il s'abat sur le sol en fracassant la cible, ce qui lui inflige 822 points de dégâts et l'étourdit pendant 1 seconde. Alors, quel est l'intérêt de ce sort? Vous voyez, je peux me rater. 0,75, c'est long. Donc, si je touche, eh bien, je peux décaler. Vous voyez, et boum, ça va amener l'ennemi très loin, sachant qu'il va être stun. La force de sort, c'est un petit peu à la gavage de Stitches, c'est de pouvoir remettre quelqu'un hors de position, mais la différence avec un gavage de Stitches, c'est que ça vous permet aussi, vous êtes inciblable en fait pendant le lancement. Alors attention par contre, alors c'est un dash, hein, donc vous pouvez potentiellement, alors c'est pas terrible, 80 secondes CD ça vaut pas vraiment le coup, mais vous pouvez potentiellement vous en servir pour fuir puisque vous passez à travers les murs. Par contre, vous pouvez passer à travers les murs avec le dash, et comme vous l'avez vu, vous êtes insensible une fois que le dash a commencé. Par contre, vous ne pouvez pas passer les murs. Vous ne pouvez pas passer les murs avec ça. Ça, c'est vachement important de le retenir. Par exemple, vous voyez le Arthas là. Je ne peux pas traverser le mur. Là, vous voyez, je clique là, je peux pas. Je suis obligé de faire le tour. Ça, c'est important. Attention à pas se rater. Donc la force de sort, c'est quoi? Une fois que je suis en l'air, je suis inciblable. C'est une stase en fait. Du coup, je peux me. Alors, ça me permet de replacer Imperius. Et quand vous êtes dans la mêlée, que vous pouvez pas sortir, bah, ça peut vous sauver la vie. Le problème, c'est comme vous l'avez vu, c'est trop facile à dodge. Et en plus de ça, vous pouvez vous faire annuler. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment mort. Là où l'arsenal angélique, bah, dans tous les coups, dans tous les cas, vous allez avoir du shield, quoi. Donc l'arsenal angélique, ça peut, enfin la fureur des Anguirris, ça peut vraiment faire le taf, mais on préférerait l'arsenal angélique quand même. Niveau 13, alors on a tout d'abord la rage divine. Consommer une marque de fer de vaillance réduit le temps de recharge de la radiance de 1 seconde. Ça a changé. Déjà, c'était très fort avant, ça a changé. Ça offre moins de réduction de CD sur le E, mais la différence, c'est que si vous faites un full combo, on va voir, mais regardez, si vous faites un full combo, vous voyez, et là je fais proc la marque.
eh bien ça réduit le temps de recharge du E. Tous mes sorts vont réduire le temps de recharge du E. Et ça c'est quand même très fort parce que votre E, comme on l'a dit, c'est votre sort de dialyse, c'est votre sort de sustain et c'est votre sort qui permet de mettre des marques très facilement sur la tête du mec. Donc c'est très très fort comme sort. Vraiment, soyons honnêtes, c'est votre sort principal, le E. Le Z est le principal sort de poke, des push, mais le E pour le défense, pour la défense, c'est vraiment très très fort. Et même pour les 1v1. Donc réduire le temps de recharge c'est très fort. Ensuite on a l'adversité qui augmente les points de vie rendus par la radiance en attaquant les héros adverses de 2% par tranche de 1% des points de vie manquants. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins vous êtes PV, plus le E vous soignera en teamfight, donc en PVP. Donc ça c'est pas mal quand vous avez beaucoup de burst en face, honnêtement. Parce que c'est bien d'avoir la réduction de CD, si vous pouvez pas tenir avant de la récupérer ça sert à rien. Donc face à beaucoup de burst, l'adversité c'est très très fort. Donc par exemple, moi de manière générale je pense que je vous conseille la rage divine, mais par exemple à un niveau pro, quand il y a beaucoup de burst et que ça peut tomber très facilement à la frontline, l'adversité peut être très 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 intéressante. Ensuite il y a le pitoyable mortel, étourdir des héros adverses avec la charge CLS réduit les dégâts qu'ils infligent de 35% pendant 4 secondes. C'est un rayon réducteur personnalisé pour Imperius, honnêtement c'est déjà suffisamment dur à... Il devrait peut-être augmenter, peut-être baisser le temps, mais augmenter le debuff, par exemple le monter à 50%, un peu comme pour Stitches, parce que bah 35% c'est quand même dur, hein. La charge elle est pas si facile que ça à toucher dans le feu de l'action, donc 35% c'est un peu dommage, surtout que je crois qu'on perd un peu de temps avec la durée, ou alors je sais plus si c'est canalisé jusqu'au bout, mais bon, dans tous les cas la rage divine vous tromperez jamais. Niveau 16, des super talents pour Imperius. On va commencer par le plus générique, le toucher fusionnel. Consommer une marque de radiance réduit l'armure de la cible de 25 points pendant 4 secondes. Alors là vous dites ça sert à quoi? Réduire l'armure d'un ennemi de 25%, ça veut dire que votre Z fait plus mal, votre A fait plus mal, votre E fait plus mal. Quel est l'intérêt avec le E de faire plus mal? Ça vous augmente votre sustain du coup. Puisque je le rappelle, je l'avais dit au début, retenez bien ça, la sustain est en fonction des dégâts infligés. Si vous faites 25% de dégâts supplémentaires sur le E, vous vous soignez de 25% de dégâts supplémentaires. Ça ne marche pas par contre avec l'affaire de variance qui est une valeur fixe. Mais ça vous augmente votre sustain avec la radiance. Ça augmente vos propres dégâts sur le Z, sur les autos, sur le A et sur les fers de variance. Et ça augmente les dégâts de votre équipe sur la cible que vous avez chopée. Donc c'est quand même très 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 fort. Ensuite on a l'élan céleste que j'adore personnellement, c'est mon petit péché mignon. Augmente la vitesse de déplacement de 20% pendant 5 secondes après avoir lancé la charge céleste. Et attention, c'est pas après avoir stun. Si vous faites ça, vous avez le buff en fait, hein. Donc 20% de vitesse de déplacement, c'est quasiment la vitesse de monture. Pour un perso qui n'a pas de mobilité, moi je trouve ça vraiment pas mal. Mais surtout, si vous touchez un héros ennemi avec le A, vous gagnez 40% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes pour chaque héros étourdi par charge céleste. La vitesse d'attaque sur Imperius, on pourrait dire, ouais, il a pas une vitesse d'attaque très grande, est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bah, quand vous faites votre E sur plusieurs personnes et que vous avez 40% de vitesse de déplacement par d'attaque, bah vous pouvez faire proc les marques très très vite. On en parlera après, j'ai un petit build un peu exotique, mais très très fort sur Imperius. Mais on en reparlera après. Et enfin, vous avez la traque des impies qui était un ancien niveau 20 qui a été passé 16. C'est tout simplement la lame vorpale de Zeratul. Traque des impies, donc 20 secondes de temps de recharge comme la lame vorpale de Zeratul. L'activer permet de se téléporter, Imperius auprès d'un ennemi marqué par le fer de vaillance et confère 25 points d'armure pendant 25 secondes, pendant 3 secondes, pardon, 25, ce serait beaucoup. Donc par exemple, vous mettez une marque de vaillance là, et bah pendant 10 secondes, il garde la marque. Et vous appuyez sur... il faut la vision par contre, il faut la vision sur lui. Vous avez la marque, hop, vous pouvez vous téléporter derrière lui. Ça c'est quand même assez intéressant. Parce que bah, Imperius, un peu comme son frère Maltael, il est assez vulnérable au kiting, hein. C'est-à-dire que si par exemple l'ennemi vous tape, il déplace, il vous tape, il vous déplace. Voir mes vidéos de From Zero to Heroes pour plus de détails. Bah Imperius il peut pas trop y aller. Donc quand il y a beaucoup de dash etc, contre des lemmings par exemple qui vont dash, ce 16 peut être très très fort pour rattraper l'adversaire. Mais sinon, de manière générale, on préférera le toucher fusionnel. Je vais remettre vraiment le build jusqu'au bout. Hop, 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 hop. Maintenant, le 20. Les 20 sont très très forts sur Imperius. On va commencer par... alors, pas les améliorations d'ultime. On va commencer par un talent qui est très très fort, c'est l'inexorable. Vous pouvez jamais vous tromper avec l'inexorable. Activé, donc 75 secondes de temps de recharge, activé en insensible aux effets de contrôle, donc une insensie, quand même, de 3 secondes hein, d'insensibilité, et ça vous confère 75 points d'armure anti-sort. Donc c'est un bouclier renforcé personnalisé anti-magie d'Imperius, mais dans tous les, et je rappelle que tous les persos vous dites, ouais, mais bon, s'il n'y a pas de mage, c'est pas terrible. Un Raynor, il va quand même faire des dégâts magiques avec ses ultimes, avec son A, enfin, il va quand même faire des dégâts magiques. Même sa quatrième auto fait des dégâts magiques. Donc. Ça marche sur tous les héros. Tous les héros vont forcément à un moment donné, et pourtant je vous ai cité Raynor qui est peut-être un de ceux qui en a moins de sorts magiques, il fait quand même des dégâts magiques. Donc ça marche contre tout le monde. Et comme c'est 3 secondes, c'est du burst appuyé on va dire. Donc ça marche bien là-dessus.
Mais surtout, l'incendie d'une seconde, ça vous permet de ne pas vous faire cancel une charge, ça peut vous permettre de ne pas vous faire cancel votre Führer des Anguirris, ça peut vous servir à tout en fait, tout simplement. Toucher des héros avec la zone centrale de flamme de Solarion, donc le Z, réduit le temps de recharge de 5 secondes de cet activable. Donc ça, c'est très très fort. Ça, si vous êtes précis avec le Z, c'est quand même très très fort. Ensuite, on a l'armée des cieux, donc l'amélioration de l'arsenal angélique. Ça, c'est si votre c'est tout simplement le nimbe de lumière un peu de Johanna personnalisé pour vous. C'est du coup, les héros alliés obtiennent un bouclier de 1316 points de bouclier, je suis niveau 20 pour les valeurs, pendant 3 secondes. Donc si vous appuyez sur R, bah, par exemple là, il a un shield lui. Et si le bouclier résiste jusqu'à son expiration, comme pour vous, une épée projetée sur le héros adverse le plus proche et lui inflige 307 points de dégâts. La différence, c'est qu'avec l'amélioration, eh bien, donc ça augmente un peu vos dégâts, l'expiration fait que le R va être ciblé par contre, le automatique. C'est pas le héros, c'est pas votre allié qui va faire oh là là, faut que je lance le R. Non, non, vous en faites pas, c'est ciblé, c'est automatique. C'est le mec le plus proche qui va prendre l'épée, à coup sûr. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une seule d'ailleurs. Quel est l'intérêt de ce sort? Si vous êtes emmerdé, mais ça va, et quand de toute façon il y aura une game de démonstration qui arrive avec le nouvel Imperius que j'ai fait en ranked, et à la fin bah par exemple je me suis dit la seule condition de victoire qu'on perde, c'est qu'un de nos potes se fasse un des carry fragiles se fasse one shot, bah par exemple, ou contre une Tracer. Par exemple contre une Tracer, c'est pas forcément Imperius qui va être ciblé, il va plutôt aller chercher la backline. Du coup vous claquez l'armée des cieux pour les alliés, ça permet de soulager tout le monde, et ensuite et bien vous, ça leur fait des dégâts supplémentaires. Comme c'est ciblé, bah les héros à dive ils vont en prendre plein la tronche, et même pour vous, bah, vous pouvez vous lancer dans le teamfight juste après, donc c'est quand même très intéressant. Par contre, ça veut dire que c'est 70 secondes de temps de recharge, bien entendu. Ensuite, on a la brûlure de Solarion. Réduit la durée de fer de vaillance à 3 secondes. Je rappelle qu'une fer de vaillance, ça dure 10 secondes. Cette fois, elle dure que 3 secondes. Par contre, les marques ne sont pas consommées quand la capacité est déclenchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que normalement, là, vous voyez, si j'appuie sur mon auto-attaque, boum, il n'y a plus de marque. Maintenant, la marque persiste jusqu'à 3 secondes. Vous allez dire, quel est l'intérêt du coup? Bah c'est qu'en fait à chaque fois votre auto-attaque va être buff. Et avec le niveau 1, ça fait des dégâts en pourcentage PV. On va en reparler après, j'ai un petit build un petit peu on va dire all-in, mais qui fait très 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 mal. Et ensuite on a la déchéance, qui est tout simplement l'amélioration de la fureur des Anguirris. Consommer une marque de fer de vaillance réduit le temps de recharge de la fureur des Anguirris de 5 secondes pour avoir potentiellement plus de fureur des Anguirris. Je pense qu'il manque un petit truc sur la déchéance, c'est par exemple le fait que l'ultime ne coûte plus que 20 points de mana ou un truc comme ça, parce que je l'ai testé. Et c'est vraiment fort pour le coup. Moi, quand j'ai testé sur le PTR, j'étais en mode oh, c'est vachement bien ça. Le problème, c'est qu'en fait, même si tu réussis à faire proc tout le temps, il y a un moment donné, t'as plus de mana en fait. Donc ça devrait réduire le coût de mana de l'ultime, je pense. Ce serait un petit bonus, honnêtement, ça coûterait pas grand chose. Et ça pourrait rendre le talent un peu plus viable. Parce qu'honnêtement, les 3-20 sont très très forts, mais vous voyez qu'il y a des situations pour chacun. La déchéance. Si vous pouvez faire les plays avec, c'est génial. Hein. Et puis ça peut vous faire plus de dash aussi. Mais bon, c'est quand même un petit peu en dessous, je pense, même si c'est super intéressant. Donc voilà pour Imperius. Donc au niveau 20, on va dire plutôt l'inexorable ou l'armée des cieux. On va prendre l'inexorable ici. Donc ça, c'est le build classique d'Imperius. Je le rappelle, mais les dash, vous pouvez passer à travers les murs, c'est super important. Donc retenez-le. Le pour retenir. Et vous voyez l'activa par exemple pour faire très 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 mal, faire proc vos charges. Donc ça c'est le build on va dire briseur pur, avec des dégâts, de la sustain, de quoi jouer, de quoi tout faire. Faire des dégâts, de la sustain, du dépush, il y a tout. Il y a tout dans ce build, c'est super intéressant. Maintenant je vais vous parler d'un petit build exotique que j'aime beaucoup, qui va jouer beaucoup plus sur l'attaque par contre que la défense. On va jouer au bûcher. Au niveau 4 vous jouez ce que vous voulez, que ce soit conflit salvateur ou l'armure souveraine. Il y aura plus de synergie avec le conflit salvateur, mais ça marche aussi avec l'armure. Donc on va prendre conflit, la sainte ferveur, ça c'est obligatoire par contre. Niveau 10, arsenal angélique ou fureur des Anguirris, comme vous voulez. Niveau 13, la réduction de CD, vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Niveau 16, on va jouer l'élan céleste. Alors vous n'êtes même pas obligé de jouer l'élan céleste sur le papier, vous pouvez jouer ce build sans jouer l'élan céleste. Mais honnêtement, avec l'élan céleste, c'est encore plus fort. Et au niveau 20, vous jouez brûlure de Solarion. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, tout synergise. C'est-à-dire que le 20 va faire en sorte que les marques durent 3 secondes, mais indéfiniment tant que vous tapez. Du coup, enfin, je me suis compris, mais vous pouvez à chaque fois les faire perdurer jusqu'à 3 secondes et du coup faire des dégâts en pourcentage PV tout le temps. Le 4, bah, ça vous offre plus de sustain, donc encore plus de moyens de rester dans le teamfight et d'exploser les mecs. La sainte ferveur, ça fait proc en zone et ça augmente les dégâts d'auto-attaque. L'arsenal angélique, ça vous permet de tenir dans les teamfights un peu à l'Artanis. Le 13, qui réduit le temps de recharge, ça vous permet d'avoir en permanence des marques de vaillance sur l'ennemi. Et le 16, la vitesse d'attaque pour encore plus profiter du 1, du 4 et du 20. Donc vous allez voir, mais sur un combo, bah, ça fait ça. J'ai mis mon E trop vite, mais
Vous voyez, il tape tellement vite le perso. Alors j'ai juste merdé parce que voilà. Le principe, alors je vais le refaire. Parce que l'idée c'est aussi de taper en zone. Donc je vais enlever le temps de recharge. Le principe ça va être de faire ça. Et vous voyez, vous tapez en zone en permanence. Tapez super fort. Vous avez des réductions de temps de recharge de dingue. Et le principe, vous voyez, les dégâts peuvent être faramineux dans teamfight. C'est n'importe quoi, vous détruisez tout le monde. Donc voilà alors je vais essayer de mettre une vidéo. Ça je vous promets rien, mais j'avais fait une vidéo de test là-dessus. Au pire j'en ferai une plus tard, c'est pas très grave. Mais pour montrer ce build, c'est monstrueux en termes offensifs. Par contre vous sacrifiez énormément de points défensifs. Du coup vous êtes un peu une sorte de butcher. C'est-à-dire que si on vous tue ou qu'on vous blinde ou quoi, vous servez plus à grand chose. Donc faut faire gaffe quand même. Mais ce build est très fun. C'est un peu exotique mais c'est très fun. Donc voilà pour ce qui est d'Imperius. J'adore, enfin honnêtement je pense que je vais commencer à vraiment je vais essayer de le train de un max pour avoir un nouveau gros soliner. Mais honnêtement Imperius je trouve ça très très bon. Si vous maîtrisez ce perso, il peut être très très fort en solo queue. Donc encore une fois, ces petits points faibles par contre, c'est le, comme je vous l'ai dit au début, c'est il se fait très vulnérable au kitting. Il a pas un énorme dépush avant le set, et même après le set ça reste ok. Donc voilà, ça c'est les gros points faibles d'Imperius. Et il a pas de mobilité, donc une fois qu'il est dedans il peut pas s'en aller, donc il est très vulnérable au burst hein, ou au contre-attaque évidemment. Donc voilà pour ce qui est d'Imperius. Je vous fais, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre. Je vous fais des bisous. Le Facebook, le Twitter, le YouTube. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez autour de vous. Merci. Et pour ceux qui se posent la question, il n'y a plus de musique à la fin parce que les droits d'auteur, c'est chiant. Bisous.